de tenir droit. Les mollets serrés plus contre la roue. Voilà. Voilà, regarde comment ça. Bien droit, il n'y a que le bassin qui bouge et les jambes qui vont faire comme ça. Et ça, tu fais. Vas-y. Non. Là, tu fais comme ça. C'est... Ça, tu appuies et après, le reste bouge. Stop. Toi, tu bouges ici. Mais c'est d'abord ça qui commande. Et une fois que là tu appuies en avant, tout ça, ça va bouger en avant. Si là tu appuies en arrière, pour reculer ou freiner, c'est ça qui recule en arrière. Mais là, tu fais d'abord avancer là avant là. Donc c'est d'abord là et ensuite le reste aussi. Ouais. Tu sens là déjà? Ouais. Ouais, il y a une grande différence. Appuie, n'aie pas peur d'appuyer. Tiens une main, reste droit. Reste droit. Mets-toi parallèle. Voilà. Détends-toi. Mets-toi. Voilà, la main au milieu. Maintenant, je vais te chercher ta main. C'est à toi de tenir les pieds. Là, tu vas vers le mur. Regarde, j'ai compris. Vas-y, descends. Voilà. Regarde. Donc, si je t'explique là, je vais tenir la main gauche. Je mets le pied, d'accord, et là, regarde, je commence ici, là. Tu vois, ici, là, je commence à appuyer là, pour que quand j'appuie avec le pied, la roue, elle se colle ici, et que avec ça, j'appuie, tu vois, je peux faire comme ça, tu vois, et là, je fais ce que je veux avec la roue, d'accord, c'est ça qu'il faut que tu fasses, une fois que tu es capable de faire ça, bon, je sais, c'est ça, c'est le début, une fois que tu es capable de faire ça, ton pied, là, mais au extérieur, tu es bien appuyé dessus, là, tu vois, je suis bien dessus. Donc là, je retiens la main dessus, et là, je suis bien dessus. Et ben, j'ai juste à faire ça, regarde. Je mets la main là, et je me redresse, comme si j'allais chercher le ciel. D'accord? Si, t'as qu'à regarder, t'as qu'à faire comme ça. D'accord? Et après, tu vérifies que tes pieds sont bien mis, tu vois, regarde. Je peux faire ça. Et là, j'appuie. Je suis pas en train d'appuyer spécialement avec les pieds. Je me retiens avec mes mollets. Tu vois? Mais avec mes petits gars aussi. Et là, je m'écarte un peu du mur. Et je suis pas tendu comme ça. Je suis pas non plus comme ça. Je suis bien. Pour que mon corps reste droit. Et regarde. J'appuie. Toi, tu fais ça. Ouais, ouais. Mais regarde. Toi, tu fais comme ça. Non, c'est tes pieds qui appuient et le reste suit. Toi, je ne fais pas des grands coups de bassin comme toi. Non, j'appuie, mon corps suit. Mais le reste, les pectoraux, les abdos, ils restent droits, plus ou moins droits. Et là, avec mes pieds, j'appuie en avant, j'appuie en arrière, j'appuie en avant,
je lâche un peu. Hop. Et si je fais encore la chose, hop, je pars tout doucement. Je prends un minimum de vitesse pour pouvoir rester stable. Si tu roules tout doucement comme ça, ben regarde. Tu vois, tu ne tiens pas. Par contre, dès que tu prends la vitesse, il ne faut pas aller trop vite non plus, mais tu y vas, tu prends la vitesse, tu serres ici, tu vois, tu serres ici, et après tu fais ce que tu veux avec ta roue. Tu vois. Alors là, ça a l'air facile, comme je fais. Mais au début, je ne faisais pas ça non plus. D'accord. Alors tu viens trop ici. De faire ça avec ta roue. Essaie de contrôler ta roue. Tiens, tu te tiens la main, lâche le mur. Non, lâche le mur avec eux. Voilà. Je te tiens la main et je veux que tu contrôles. Voilà, appuie. Voilà, et tu la bouges. Et tu la ramènes. Et tu la bouges. Tu sens ton pied là, par exemple, il est trop en arrière. Mets-le droit par rapport à celui-là. Mets-le là. Voilà. Bouge pas, maman, bouge pas. Maintenant, donne-moi la main et refais l'exercice. Ouais, là, tu l'as mis un peu loin. Tu l'as mis un peu loin, regarde. Mets un peu près, je pense. En fait, c'est ça. Mon pied, tu vois, il est à peu près à la même hauteur. Ici. Toi, il est là. Donc déjà, tu ne peux pas tenir tout droit parce qu'il est loin derrière. Tu vois. Donc si tu... Première chose. Tu mets ton pied en face de la pédale. Deuxième chose, tu mets ta main là. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, je lâche en appuyant mon pied et je fais ce que je veux. Et une fois que je suis comme ça, regarde mon pied des doigts, je me redresse vers le haut tout en maintenant ça. On se redresse, hein, on n'est pas des bossus là, hein. Voilà, et tu essayes de te remettre droit par rapport au mur, regarde, hein, vers là, tu es en train de faire deux bisous, voilà, allez, maintenant tu appuies un peu en avant, un peu en arrière, tu sens déjà un peu mieux, attention, tu vas te traverser, chérie. Encore, hein. Ouais. Voilà. Je commence à ouais, parce que ta main, tu la lâches sur cette fois pour le moment. C'est bien, hein. Pour la suite de l'exercice, ça sera bien la lâcher. Mais essaie de la garder très fort. Et si tu la recules, tu es en déséquilibre. Et si tu l'avances, tu es en déséquilibre. Donc essaie de la garder, regarde. Regarde mon corps. Mon corps, il est là. Et ben, mon bras, il va aller là. Par rapport à mon corps. Pas là. Voilà. Là.
Voilà. Et lui, il bouge plus. C'est que le bas maintenant. Voilà. Pas trop loin, pas trop près. Voilà. Serre plus tes cuisses. Pas tes mollets. Voilà. Je vais lâcher ta main. Une fois que j'ai vu la fille. Hop là, sans les mains. Sans les mains. Non, du tout. Tu peux rectifier tout seul. Voilà. Allez, bouge un petit peu ta machine. Regarde, Annie. Annie. Allez, vas-y, zouk. Zouk. Ouais. Attention, il y a le haut du corps qui bouge. Là, tu es trop loin du mur. Essaye de revenir vers le mur. Bah ouais. Depuis que tu fais, au début tu étais là, mais tu as fait comme ça. Et après tu étais comme ça. Tu vois? Ça fait mal au bras, hein? On refait un petit tour? Ouais. C'est ça que tu attendais, hein, coquin? 1, 2. Non, non. 2, 2, c'est quoi? On sait qu'elle est là, t'as plus besoin d'interdire. Maintenant, ce que tu dois regarder, c'est là où tu vas. Quand tu marches, tu regardes tes pieds? Eh ben moi non plus. Voilà, tiens ton droit. Comme une bonne crêpe. Essaye d'aller à droite. Là, c'est la bonne droite. Voilà. On va tourner au mur et je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer un truc. Tu peux t'arrêter, là. Faut que tu apprennes à t'arrêter. Hein. Pour t'arrêter, tu oublies tout le temps ce que j'avais dit la dernière fois. Pour t'arrêter, tu ralentis. Moi, je pense que c'est bon. Pour t'arrêter, il faut que tu ralentisses. Et une fois que tu as bien ralenti, tu penches un petit peu et tu poses ton pied. En retenant ici. Parce que toi, ce que tu fais, c'est... Voilà. Tu vois? La pauvre machine, bon celle-là c'est une vieille, hein, c'est pas grave. D'ailleurs regarde, elle pleure. Elle pleure. Par exemple, souvent les gens c'est du côté gauche, pas aussi. Tu vois, regarde.
Du côté gauche, pas de problème. Si je fais du côté droit, ah, je peux le faire, mais un peu plus de concentration. Et pour tourner, je regarde là où je vais. Tu vois? Je regarde avec mon doigt, je regarde où je vais. Et après, je regarde au loin. Tu vois? Là, je vais tourner là. Tu vois? Je vais tourner là. Hop, je suis allé un peu trop vite. J'ai plus l'habitude, hein, c'est plus petit pour moi, c'est là maintenant. Hop, et puis. Tu vois? Là, hop, à l'arrêt, clac! Tu vois, la machine n'est pas tombée. Je refais un arrêt. Attention à toi. Allez, moi je m'assieds sur ma chaise. Donc là, je regarde où je vais. Je veux m'arrêter vers toi. Je commence à ralentir. Et regarde, regarde. Paf! Et là, elle tombe pas. Je suis sur la chaise. Allez, je te fais un dernier arrêt et c'est à ton tour après. Dani, tu regardes comment je marche.